بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقبل أن نبدأ سنتأمل مليا في هذه الخطبة العظيمة التي بدأنا هذه المحاضرة والتي تسمى بخطبة الحاجة. Avant de commencer, nous allons méditer ensemble sur le début de cette conférence. Nous avons commencé par ce que l'on appelle khutbatul haja, le sermon du besoin, en disant Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, jusqu'à la fin de ce que l'on a récité. Ce passage s'appelle le sermon du besoin. Donc, comme son nom l'indique, le musulman en a besoin lors des affaires importantes de sa religion. Et ce sermon que nous entendons au début de chaque cours, que nous entendons le vendredi, que nous entendons lors d'un mariage, que nous entendons lors d'un rappel, il est très important de comprendre ce qui est dit. Et il est très important de savoir la valeur que cette parole a dans notre religion. فهذه الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذه الخطبة لصحابته الكرام كما يعلمهم القرآن. Le prophète صلى الله عليه وسلم enseignait à ses compagnons cette parole, tout comme il leur enseignait une sourate du Coran. وهذه الخطبة كانت سببا لدخول إسلام مرء وقومه. كانت هذه الخطبة سببا لدخول إسلام رجل سيد قومه وقومه أجمعين. Également cette parole que l'on a citée, il faut savoir qu'elle a été la cause de la conversion à l'islam d'un homme, ainsi que de tout son peuple. Subhanallah. Cette parole, elle a été la cause qu'un homme, et pas n'importe quel homme, un chef de tribu, un chef s'est converti à l'islam, quelle fut la cause, cette parole. Et en plus, elle a été également la cause de la conversion à l'islam de tout son peuple. Et ce hadith, il a été rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. C'est la conversion du compagnon que l'on appelle Dhimad, Dhimad al-Azdi. Dhimad, c'était un homme qui était connu chez les Arabes. C'était le chef de la tribu des Azd. Et c'était un homme qui faisait la ruqya. Lorsque les personnes avaient besoin d'une ruqya, elles allaient vers lui. Lorsque la personne était touchée, était frappée par un djinn, ils allaient vers lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala les guérissait par la cause de cet homme, Dhimad al-Azdi. Alors cet homme, il se rend à la Mecque. وإذا دخل مكة
Et lorsqu'il rentre à la Mecque, ماذا يسمع? Qu'est-ce qu'il entend des gens? Inna Muhammad al-Majnoun. Il entend que les gens répètent, certes Muhammad est fou. Il va dans un endroit, il entend que les Mécois disent, Muhammad est devenu fou. Muhammad est atteint de folie. Muhammad est Majnoun. Il parle de qui? Il parle de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors lui, il ne connaît pas le prophète alayhi salatu wa salam. Mais il entend que cet homme a été atteint de junoun, a été atteint de folie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si je rencontre, regardez son intention, il dit, si je rencontre ce fameux Muhammad, je lui ferai la ruqya. Si je rencontre cet homme, je lui proposerai mes services. Et il a rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, « قَدْ سَمِعْتُ أَنَّكَ مَجْنُونَ » J'ai entendu que tu étais majnoun. Imagine quelqu'un, il vient et te dit ça à toi. Il te rencontre dehors, il te dit, j'ai entendu que tu étais majnoun. Quelle va être ta réaction? Quelle va être ta réaction? Hein? Tu vas la gripper. Écoutez, regardez la douceur de notre noble prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Regardez la sagesse de notre noble prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa salam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, inna alhamdulillah. Certes, la louange appartient à Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Nous implorons, nous lui faisons ses éloges, nous implorons son secours et nous lui demandons pardon. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Nous recherchons la protection auprès d'Allah contre le mal de nos âmes ainsi que le mal de nos mauvaises actions. Man yahdihillah fala mudilla la. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Wa man yudlil fala hadiya la. Celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. وأن محمدا عبده ورسوله. Et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah et son messager et son serviteur. Voilà la réponse. Dhimad. Il a regardé le prophète عليه الصلاة والسلام. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, A'id alayya kalimataka ha'oula. Il lui a dit, répète-moi les paroles que tu viens de me citer. Alors le prophète alayhi salatu wassalam de lui répéter, Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qu'est-ce qu'il a dit Dhimad? A'id 'alayya kalimataka ha'ula, répète-moi encore une fois ces paroles. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a pas dit, c'est bon, deux fois, il lui a répété. Qu'est-ce qu'il a dit, Dhimad, au bout de la troisième fois? Il a dit, j'ai entendu la parole des sorciers, j'ai entendu la parole des charlatans, j'ai entendu la parole des devins, j'ai entendu la parole des poètes. Il dit, mais je sais que ces paroles ne sont aucune de ces paroles-là. Ce n'est ni la parole d'un sorcier, ni la parole d'un poète, ni la parole d'un charlatan, ni la parole d'un devin. Il lui a dit, donne-moi ta main, je prête allégeance et je me convertis à l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pris sa main et lui a dit, wali qawmik. Et est-ce que tu t'engages aussi de transmettre ce message à ton peuple? Et il a dit, wali qawmi, je m'engage à transmettre le message à son peuple. Il s'est converti à l'islam, il est rentré dans son peuple et l'ensemble de son peuple se sont convertis à l'islam. Ça nous renvoie vers quoi en réalité? Ça nous renvoie vers l'importance de comprendre ce que nous disons. L'importance.
de comprendre ce que nous entendons. Et méditons ensemble sur cette parole. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. La première phrase, elle résume l'ensemble de ta vie. La première phrase, elle résume l'ensemble de ta journée. Parce qu'en réalité, dans ta vie, chaque jour, Allah tabaraka wa ta'ala, il te donne des bienfaits. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Et simplement, si nous devions dénombrer les ni'am, les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés, on ne pourrait pas les dénombrer. Regardons ensemble le bienfait qu'Allah nous a donné. Quel est le plus grand bienfait commun qu'Allah Azza wa Jal nous a tous donné? C'est quoi? Il nous a guidés vers l'islam. Subhanallah, regardez cette assise. Regardez ici, ne serait-ce que nous là ici. On a des personnes d'origine différente. On a des personnes d'âge différent. Et en réalité, on a tous un passé. Tous. On a tous un passé. Tous un vécu. Mais chacun, le point commun, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jalla, il a guidé notre cœur. Regardez où nous habitons. Regardez où nous vivons. Regardez comment le mal est facile, les péchés sont à nos dispositions, mais Allah tabaraka wa ta'ala a guidé nos cœurs. Allah azza wa jal nous a guidés à l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala a choisi que nous faisons partie des gens qui fréquentent les mosquées. Ça en réalité c'est un des plus, c'est le plus grand bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné. 1444 ans après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous prions comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Nous jeûnons comme le prophète alayhi salatu wa sallam a jeûné. Nous sommes ici dans une maison parmi les maisons d'Allah en train de se rappeler de la parole d'Allah et de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Si ça c'est pas le plus grand bienfait d'Allah azza wa jal sur nous. Regardez cette assise. Qu'est-ce qui fait le meilleur d'entre nous? C'est la taqwa. C'est la crainte d'Allah. L'arabe n'est pas meilleur que... Yani le noir n'est pas meilleur que le blanc. Le blanc n'est pas meilleur que le noir. L'arabe n'est pas meilleur que le non-arabe. Ça, c'est... Toutes ces choses-là, on ne le voit pas ici. Mais qu'est-ce que l'on voit? On voit une umma, une communauté. On voit des frères, peu importe leur couleur. Peu importe leur âge, peu importe leur passé, peu importe leur richesse. Regarde, tu pries à côté d'un frère. Tu ne connais pas et tu ne cherches même pas à savoir sa situation. Tes pieds sont collés à ses pieds. Alors que peut-être parmi eux, il y a quelqu'un qui est pauvre et à côté, tu as quelqu'un qui est riche. Mais lorsque tu commences ta salat et que tu dis Allahu Akbar, c'est fini, il n'y a plus rien. Ce n'est pas pour rien qu'on commence par Allahu Akbar. Pourquoi on ne commence pas par Subhanallah ou par Alhamdulillah? Parce que dans cette vie, c'est possible que tu aies un certain orgueil, tu as une certaine autorité, que tu vas peut-être penser que tu es quelqu'un. Alors quand tu rentres dans la prière, tu dis Allahu Akbar, Allah Azza wa Jalla est plus grand que tout, Allah Azza wa Jalla est plus grand que toi, donc remets-toi en place. Donc dans cette vie, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne des bienfaits. Inna alhamdulillah nahmaduhu. On se doit de faire les éloges à Allah azza wa jal. On se doit de remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il dit? Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Ensuite, vous serez tous interrogés ce jour-là sur les bienfaits. Vous savez ce qu'ils ont dit les compagnons radiyallahu anhum? Les compagnons, ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, de quel bienfait Allah azza wa jal va nous questionner alors que nous ne mangeons que des dattes et nous ne buvons que de l'eau? Écoutez ce qu'ils ont dit sahaba radiyallahu anhum.
Ils ont dit, on mange des dattes et on boit de l'eau. Sur quel bienfait Allah il va nous interroger? Le prophète, alayhi salam, il a dit sur ça. Les dattes et l'eau que vous mangez, Allah il va vous interroger sur cela. Que dire de nous? Que dire de nous? Les diverses boissons que nous buvons, les diverses nourritures que nous mangeons, la santé qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnée, l'air avec lequel nous respirons. Regardez, tous les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous donne, sur tout cela nous serons interrogés. Ça veut dire que la première chose de cette phrase, c'est que tu remercies Allah. C'est que tu remercies Allah. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu te dois de remercier Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il t'a donnés. نحمده ونستعينه. Nous implorons son aide. Chaque jour de ta vie, Allah tabaraka wa ta'ala te t'ordonne des choses. Il y a des choses dont tu es obligé de faire. Mais est-ce que tu peux réaliser ces choses sans l'aide d'Allah? Impossible. C'est pour cela que le mu'adhin, qu'est-ce qu'il dit dans l'adhan? Hayya ala salah. Venez à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné qu'à chaque mot que le mu'adhin il dit, on répète. Quand le mu'adhin il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, qu'est-ce que l'on doit dire? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand le mu'adhin il dit Ashhadu an la ilaha illallah, qu'est-ce que l'on doit dire? Ashhadu an la ilaha illallah. Lorsqu'il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et je peux rajouter à ce moment-là, c'est pour cela que les mu'adhinoun, ils doivent laisser un temps. Je peux dire Wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Ensuite, lorsque le mu'adhin dit « Hayya ala salah »« Venez à la prière », qu'est-ce que je dis à ce moment-là? « La hawla wa la quwwata illa billah » Lorsqu'il dit « Hayya ala al-falah »« Venez au succès », yani la récompense de cette prière, qu'est-ce que je dis? « La hawla wa la quwwata illa billah » Est-ce que vous savez pourquoi, à ce moment-là précisément, je dis « La hawla wa la quwwata illa billah » et pourquoi je ne le dis pas avant? Parce que cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah, en islam, c'est ce qu'on appelle kalimatu al-aoun. C'est une parole par laquelle il se sauve. Hein? C'est une parole par laquelle tu demandes l'aide d'Allah. Une parole par laquelle tu demandes l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, lorsque le mu'adhin dit « Venez à la prière », toi, tu te dois de demander l'aide d'Allah pour que tu puisses accomplir cette prière. Combien de personnes, c'est l'heure de la prière, elles le savent, mais leur cœur ne bouge pas. Combien de personnes n'arrivent pas à sortir de chez eux pour venir à la mosquée? Combien de personnes, il y a quelque temps, j'ai parlé avec un frère, il me dit « Yassine, quand je suis sur la route de la mosquée, je sens une lourdeur sur moi à tel point que je fais demi-tour. » Regardez comment Allah Azza wa Jalla nous a facilité. Comment Allah il nous facilite. Et c'est pour ça qu'on se doit sans cesse de le remercier. On se doit sans cesse de le remercier. Parce qu'en réalité, on ne sait pas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ô Seigneur, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés. Parmi les invocations que le prophète alayhi salatu wassalam il disait le plus, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur la religion. Tu ne sais pas aujourd'hui tu as la mosquée demain où tu seras. Tu ne sais pas. Et combien de personnes on a vu ainsi? Combien de personnes on a vu au premier rang? Combien de personnes on a vu faire l'adhan? Combien de personnes on a même vu faire l'imama? Et Allah tabaraka wa ta'ala les a égarés. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il ne faut pas être certain
Mais on se doit de sans cesse demander l'aide d'Allah Azza wa Jal sur le fait que nous mourrons musulmans. Hayya ala salah, venez à la prière. Qu'est-ce que tu dis? La hawla wa la quwwata illa billah. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'aider pour accomplir cette prière. Mais est-ce que c'est toute personne qui a prié qui obtiendra la récompense de cette prière? Non. Le Maghreb, on l'a tous prié ensemble. Mais la récompense n'est pas pareille pour tout le monde. Elle n'est pas pareille pour tout le monde. C'est pour cela que lorsque tu entends « Hayya ala al-falah », venez au succès, et pour certains savants, ils considèrent que le succès, c'est quoi? C'est la récompense de cette prière. Tu demandes l'aide d'Allah pour que tu puisses avoir la récompense de cette prière. Parce que la récompense de ta prière, elle va dépendre déjà de ton intention. « Innama al-a'malu bin-niyyat ». Les actes ne valent que par leurs intentions. La récompense de cette prière, elle va dépendre de quoi? De la concentration que tu as eue dans ta prière. On est tous sur le même rang. Mais des fois, on n'est pas tous dans la même prière. Certains, dès qu'ils commencent, Allahu Akbar, ça y est, toutes les pensées, elles viennent. À gauche, à droite, ce qu'il va faire demain, hier, tout y vient. Si seulement tu te mets à la porte de la mosquée et tu demandes au frère, qu'est-ce qu'il a récité l'imam au Maghreb? Certains ne sont même pas capables de te le dire. Et ça, en réalité, c'est quoi le problème? Le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a pas conscience de l'importance de la prière dans ton cœur. Parce qu'en réalité, la prière de son début jusqu'à la fin, celui qui médite sur chaque parole, sur chaque geste de la prière, il ne peut que se concentrer dans la prière. Ne serait-ce que tes ablutions, ne serait-ce que le wudu. Tes ablutions, entièrement, c'est un rappel. Tu commences par quoi dans les ablutions? Tu laves tes mains. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit tous les péchés que tu as fait avec tes mains, ils tombent. C'est quoi le lien? Le lien, c'est quoi? C'est que les savants, ils disent, quand tu laves tes mains, c'est un rappel avec les péchés, c'est un rappel sur les péchés que tu as commis avec tes mains. Dans ce cas-là, tu te dois de craindre Allah Azza wa Jal sur les péchés que tu commets avec tes mains. Lorsque tu laves ton visage, c'est un rappel sur les péchés que tu commets avec ta bouche. C'est un rappel sur les péchés que tu commets avec ta langue. Lorsque tu laves ton visage, c'est un rappel sur les péchés que tu commets avec tes yeux. Les péchés que tu commets avec tes oreilles, les péchés que tu commets avec tes pieds, etc. Ça veut dire que celui qui prend le temps de parfaire ses ablutions, celui qui prend conscience en réalité de la grande adoration qu'est les ablutions, qu'à chaque fois que tu vas faire tes ablutions, ce sera de la lumière. Nour, ce sera de la lumière. Un jour le prophète alayhi salatu wasalam dit, j'aurais bien voulu voir mes frères. Alors les compagnons ont dit, mais nous sommes tes frères. Il dit non. Vous êtes mes compagnons. C'est un degré encore au-dessus. C'est encore plus important. Alors ils lui ont dit, mais qui sont tes frères? Il a dit, mes frères, ce sont ceux qui vont venir après moi, qui vont croire en moi, mais qui ne m'ont jamais vu. Alors les compagnons, ils ont dit, mais comment tu vas les reconnaître? Comment tu vas reconnaître tes frères? Alors le prophète, alayhi salatu wasalam, il donne l'exemple d'un troupeau de chevaux noirs. Et sur certains chevaux, ils ont les pattes blanches, la queue blanche, le museau blanc. Est-ce que tu les reconnais? Ils sont tous noirs à part eux. Ils ont des traces blanches. Il dit, bien sûr tu les reconnais. Il dit, je les reconnaîtrai de la trace de leurs ablutions. Regarde, chaque ablution, tu penses à ça. Et qu'est-ce que tu dis à la fin des ablutions? Allahumma ja'alni. Donc tu as trois invocations à dire. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu dis ça après tes ablutions, les huit portes du paradis s'ouvrent. Tu entres par n'importe laquelle. Ça te rappelle quoi? Ça te rappelle le tawhid. C'est ça le tawhid. Le tawhid, c'est la base de notre dîn, c'est la base de notre religion, c'est le message entier du Coran. Ensuite, qu'est-ce que tu dis? Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Oh Allah, fais de moi que je fasse partie de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifient.
Regarde le lien qui est entre les ablutions et takfir al-dhunub, l'expiation des péchés. Et la troisième chose à dire, tu dis subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Ça, ce sont les trois choses qui ont été rapportées après les ablutions. En dehors de cela, il n'y a rien à dire. Alors, ayat al-kursi, non. Ayat al-kursi, c'est une très très bonne question. Ayat al-kursi, on le récite 8 fois dans la journée. Écoute bien. Tu retiens ces 8 fois, tu es tranquille toute ta vie. Retenez avec moi les 8 fois. 8 moments dans la journée où on récite ayat al-kursi. Premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui récite ayat al-kursi après chaque prière, rien ne l'empêche d'aller au paradis après la mort, à part la mort. Tu récites ayat al-kursi après chaque prière, qu'est-ce que tu gagnes? Le paradis. Donc là, ça nous fait combien? 5. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé de réciter ayat al-kursi dans nos invocations du matin et du soir. Et celui qui récite ayat al-kursi le matin, il sera protégé du shaitan jusqu'au soir. Et celui qui le récite le soir, il sera protégé du shaitan jusqu'au matin. Ça veut dire après le fajr, dans les du'as du matin, tu récites ayat al-kursi. Après le asar, dans les du'as du soir, parce que les du'as du soir, ça commence au asar. Après le asar, après les du'as du soir, tu récites ayat al-kursi. Ça nous fait combien de fois? 7. Et avant de dormir. Avant de dormir, dans les invocations à dire, avant de dormir, tu récites ayat al-kursi. Ça, ce sont les 8 moments. Et si tu le récites avant de dormir, Allah Azza wa Jalla t'envoie un ange qui te protège jusqu'au matin. Donc ça, ce sont les 8 moments dans lesquels je récite ayat al-kursi. Après les ablutions, je ne récite pas ayat al-kursi. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas récité. C'est ça la beauté de notre religion. Ça, c'est la beauté de notre din. Pourquoi je le récite après la prière? Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il m'a ordonné de le faire. Pourquoi je ne le récite pas après les ablutions? Parce qu'il ne l'a pas fait. D'accord? Donc on reprend. Dans ta journée, Allah Azza wa Jalla te donne des bienfaits, tu te dois de le remercier. Allah Azza wa Jalla te donne des ordres, tu te dois de les accomplir. Et dans ta journée, Allah Azza wa Jalla te donne des interdits. Et en réalité, on a tous des manquements. Ou des fois, on commet même les interdits qu'Allah Azza wa Jalla nous a interdits. Alors, dans ce cas-là, on se doit de demander le pardon. Al-istighfar. On se doit de demander le pardon auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et en réalité, on se doit de prendre conscience de l'importance de l'istighfar. Parce qu'un des plus grands châtiments qu'Allah Azza wa Jalla nous envoie, c'est le fait de ne pas prendre conscience de nos erreurs. C'est le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est la pire chose qui peut se passer. C'est que la personne, elle est sur le chemin de l'enfer, mais elle s'en rend pas compte. Alors que le croyant, celui qui a un cœur vivant, quand il va désobéir à Allah, il va être dans un état de regret, à tel point que des fois, certaines désobéissances, elles sont un bien pour toi. Parce que des fois, tu as commis un péché, mais tu vas tellement faire de bonnes actions après, que ça sera un khair pour toi. C'est ça le cœur du croyant. Et là, dans la communauté, on voit que certaines personnes se plaignent parce qu'elles sont pauvres. Certaines personnes se plaignent parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Certaines personnes se plaignent de leur mauvaise situation. C'est quoi la solution à tout cela? Al-istighfar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Un jour, un homme est venu se plaindre à un des sahabi, un des compagnons. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il s'est plaint parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors il lui a dit fais l'istighfar. Ensuite, il s'est plaint parce qu'il n'avait pas assez d'argent, parce que les fruits ne poussaient pas. Chacun s'est plaint de
de ce qu'il s'est plaint. Et à chaque fois, il lui disait, Distaghfirullah. Et ensuite, il a récité ces versets dans Surat al-Nuh. Ce que Nuh alayhi salam a dit à son peuple. Je leur ai dit, implorez le pardon pour votre Seigneur, car c'est lui le grand pardonneur. Il descendra pour vous du ciel. Il vous donnera les fruits, les enfants, etc. Et ça, on doit prendre conscience du repentir. On se doit de prendre conscience à quel point Allah, tabaraka wa ta'ala, il est accueillant au repentir. Qu'est-ce qu'Allah, azza wa jalil, dit dans le Coran ? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Dis, ô mes serviteurs qui ont commis des désobéissances, des péchés à leur propre personne, لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Peu importe la quantité de tes péchés, peu importe la gravité de tes péchés, peu importe, sache que tant que tu te repens, Allah Azza wa Jalla, il accueille ton repentir. Et ça, des fois, tu parles avec certaines personnes, qu'est-ce qu'elles te disent ? Elles te disent, non, mais moi, je suis loin. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela. Non, on ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Il y a des gens qui ont commis des péchés que tu n'oserais jamais commettre. Certains qui ont associé une divinité à Allah, Azza wa Jal. D'autres qui ont assassiné des prophètes. Imagine, Allah, il envoie des prophètes, eux, ils les tuent. Ils ont assassiné des prophètes. D'autres, ils ont construit des tranchées. Ashab al-Ukhdud, ils ont construit des tranchées. Ils ont mis le feu et ils prenaient tous ceux qu'ils disaient qu'ils croyaient en Allah, ils les jetaient dans le feu. À tous ces gens-là, vous savez ce qu'Allah leur dit ? À toutes ces personnes-là, vous savez ce qu'Allah leur dit ? أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et lui demander le pardon ? Ça veut dire que même quelqu'un qui a commis les pires des crimes, même quelqu'un qui a commis les pires des péchés, il demande le pardon à Allah, sincèrement Allah lui pardonne. Et ça en réalité, ça nous prouve la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. À tel point qu'un jour le prophète alayhi salatu wa salam, il a vu, une femme parmi les prisonnières. Une femme qui était apeurée. On lui a apporté une femme. Cette femme, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu son bébé. Imaginez cette mère qui perd son enfant. Elle perd son enfant. Elle est apeurée. Elle cherche à gauche, elle cherche à droite. Ensuite, on lui apporte son enfant. Elle retrouve son enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son enfant et elle le serre sur sa poitrine. Comme elle lui donne à manger, comme elle le donne à téter, elle le serre comme ça. Imaginez cette mère qui vient de retrouver son enfant et qui le serre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé ses compagnons et il leur a dit quoi ? Il leur a dit, est-ce que cette mère-là, elle est capable de jeter son fils, son enfant dans le feu ? Ils ont dit non. Elle est en train de le serrer, elle ne va pas le jeter dans le feu. Il a dit, Allah Azza wa Jalla est plus miséricordieux que cette mère envers son enfant. Allah, il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. Donc ici, on se doit de prendre conscience que peu importe notre vécu, peu importe notre passé, le meilleur d'entre nous, c'est qui ? C'est celui qui demande le pardon à Allah Azza wa Jalla pour ses péchés. Et là, on va prendre conscience qu'en réalité, c'est ça l'objectif de notre vie. L'objectif de notre vie, c'est quoi ? C'est de mourir sans péché. Parce que tu auras trois stations. Trois stations où tu pourras te faire pardonner de tes péchés. La première station, c'est quand ? Cette vie, Hayat al-Dunya, la vie d'ici-bas. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné un moyen très simple pour ne plus avoir de péché, qui est tawbah, le repentir. C'est pour cela que chaque jour, nous devons nous repentir à Allah Azza wa Jal, que ce soit sur l'ensemble de nos péchés ou que ce soit sur un péché particulier. Un exemple, tu as commis un péché en particulier. Dans ce cas-là, tu es obligé de te repentir sur, si c'est un grand péché, tu te repens sur ce péché. C'est quoi le repentir ? Sincère. Retenez, pour faciliter, retenez trois mots.
Tu retiens ces trois mots, tu vas savoir c'est quoi le repentir sincère. Donc désolé pour les jeunes, c'est pas encore la rentrée, mais on va faire un petit peu de grammaire. Passé, présent, futur. Tu retiens ces trois mots. Passé, présent, futur, tu vas savoir c'est quoi le repentir. Passé, ça veut dire quoi passé? Ça veut dire que tu dois regretter sur ce que tu as fait. Tu as commis la fornication, tu as regardé des mauvaises choses, tu as écouté des mauvaises choses, tu as dit des mauvaises choses, tu as pris des mauvaises choses. Tu as fait un grand péché. Et malheureusement, aujourd'hui, les grands péchés, ne serait-ce qu'en un clic, parce qu'en réalité, pourquoi on insiste sur ça? Parce qu'on vit une époque qu'aucune autre époque elle a connue. On vit dans une époque qu'aucune autre époque elle a connue, l'époque des réseaux sociaux. Avant, c'était quoi l'angoisse des parents? C'était quand les enfants ils jouaient dans le quartier dehors. Quand on les laissait dehors, c'était ça, on avait peur, qu'ils prenaient le mal qu'il y avait dehors. Mais aujourd'hui l'enfant il est dans sa chambre. Aujourd'hui l'enfant il est dans sa propre chambre, chez lui. Et en un clic, le mal, le char du monde entier, il peut rentrer chez toi dans ta chambre. C'est pour cela qu'on se doit de vérifier, on se doit de surveiller, on se doit de craindre Allah Azza wa Jalla dans l'éducation que l'on donne à nos enfants et dans nous aussi comment on se comporte avec ces réseaux sociaux. Donc toi, tu as commis un péché, tu regrettes ce que tu as fait, c'est ça le passé. Tu regrettes le passé, tu regrettes sincèrement. Tu dois avoir un vrai regret. Parce que celui qui commet un péché et qui va se vanter de ce péché, en réalité, il ne regrette pas. Le présent, c'est quoi le présent ? Tu arrêtes tout de suite le péché que tu avais fait. Tu arrêtes tout de suite le péché que tu as fait. Tu as commis la fornication, tu arrêtes tout de suite. Ça veut dire que tu te sépares tout de suite de cette personne. C'est pas tu te repens, mais tu sais que tu vas la revoir demain. Ça, c'est pas un repentir sincère. Tu dois arrêter tout de suite le péché. Donc on a dit passé, présent, futur. Tu as la ferme conviction de ne plus recommencer. Tu as la ferme conviction de ne plus retomber dans ce péché. C'est ça le repentir sincère, en résumé. Et si c'est un péché que tu as fait envers quelqu'un, tu as volé quelqu'un, tu as touché à l'honneur de quelqu'un, dans ce cas-là, tu répares ton honneur. Tu vas voir la personne et tu dis, écoute, je t'ai dit une chose sur lui, en réalité, je n'aurais pas dû dire ça. Parce que j'ai failli à son honneur et ce n'est pas vrai. Tu dois réparer. Tu dois réparer ces choses-là. Tu as volé quelque chose à quelqu'un. Tu as volé quelque chose à quelqu'un. Tu vas lui rendre. Et ça, tout cela, ça fait partie du repentir sincère. Donc on a dit, premier moyen pour se faire pardonner de nos péchés, c'est quand? C'est dans cette vie. Mais si tu meurs, il te reste encore des péchés. Tu meurs et il te reste encore des péchés. Tu es tahta mashi'atillah. Tu es sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah tabaraka wa ta'ala le veut, il te pardonne. Et si Allah Azza wa Jal le veut, il te châtie. Passons à la deuxième station de purification des péchés. C'est la tombe. Le prophète alayhi salatu wa salam il dit innamal qabru imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar aw kama qala alayhi salatu wa salam. Il dit certes la tombe c'est un des trous parmi les trous de l'enfer ou un des jardins parmi les jardins du paradis. Ça veut dire qu'il y a des musulmans qui peuvent être châtiés dans leur tombe. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts et non. Ils avaient encore des péchés. Ils n'ont pas réussi à se faire purifier de l'ensemble de leurs péchés. Alors, ils seront châtiés dans leur tombe. Et parmi les châtiments de la tombe que le prophète alayhi salatu wa salam nous a indiqué, un jour il a vu une personne qui était allongée sur le ventre. Imagine cette scène. Elle est allongée sur le ventre. Un ange qu'Allah Azza wa Jal a mis pour lui avec une pierre énorme qui lui écrase la tête. Sa tête est écrasée. Et il faut savoir que tu ressens encore plus que ce que l'on ressent maintenant. Ça fait partie des châtiments de l'enfer. Allah, il va grossir les corps des gens de l'enfer. Pourquoi? Pour qu'ils sentent encore plus.
Ensuite, la pierre, elle roule. L'ange, il prend la pierre. Le temps que l'ange, il prend la pierre, Allah, il remet une nouvelle tête à cette personne. Et il reprend et lui écrase comme ça. Ça, c'est dans la tombe, en attendant son châtiment dans l'enfer. Le prophète, alayhi salatu wa salam, intrigué de cette situation, il demande à Jibril, alayhi salam, qui est cette personne? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, c'est une personne qui dormait pendant les heures de prière. Une personne qui dort pendant les heures de prière. Naam. Et qui rejette le Coran. Et quel est le plus grand rejet du Coran que de dormir pendant les heures de prière? C'est pour cela qu'on doit tous se remettre en question sur le lien que nous avons avec la prière, et plus spécifiquement avec la prière du Fajr. Pendant que les musulmans sont en rang à la mosquée, en train d'écouter le Coran, en train de se prosterner auprès d'Allah Azza wa Jal, nous on est en train de dormir. Salam. Pendant que certains sont réveillés par leurs chiens, et ils sont à dehors, à 4 heures du matin, en train de promener leurs chiens, eux ils arrivent à se réveiller pour leurs chiens, pour promener leurs chiens. Nous on continue à dormir alors que le prophète alayhi salatu wasalam, il nous a dit que celui qui dort sur la prière, ماذا يفعل الشيطان يبول في أذنه. Shaytan, il turine dans l'oreille. Imagine un seul instant que quelqu'un il te dit, si à 5 heures tu n'es pas réveillé, il y a un seau qui tombe sur ta tête, un seau